Présentez-vous à nos lecteurs. Et c'est Diallo Mamadou Siré, coordinateur général du mouvement Aradan, des jeunes leaders de l'ATS, Hamdallah Kabélé. Monsieur Siré, qu'est-ce que votre structure fait concrètement avec les jeunes de l'ATS? Merci de m'avoir posé la question. Vous savez, en parlant des jeunes de l'ATS, c'est une question en général qui est très complexe. Mais c'est dans l'optique de pouvoir cerner et de pouvoir maîtriser ou de pouvoir chercher à mieux améliorer le combat que ces jeunes sont en train de faire depuis 2007, qu'un grand nombre de jeunes soucieux, conscients de ce texte se sont réunis autour de la table pour discuter surtout des questions de manifestation, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que depuis 2007, cette jeunesse a décidé de s'indigner par rapport à tous les maux qui font souffrir la République de Guinée. Donc pour pouvoir mieux cerner ces revendications, pour pouvoir mieux cerner ces manifestations, un grand groupe de nombre de jeunes de l'Axe se sont remis autour de la table pour mettre en place ce mouvement. Et ce mouvement a vu jour depuis 2013. Et il est bien organisé et structuré. Il a des démembrements dans tous les quartiers de l'Axe et surtout des zones réputées comme des zones de tension et où les forces de défense et de sécurité commettent des exactions. Donc aujourd'hui, de nos jours, depuis 2013 jusqu'à nos jours, c'est un mouvement qui a apporté beaucoup et qui a travaillé avec les jeunes de l'Axe sur plusieurs terrains. Je peux vous parler de formation. Ça a été notre premier objectif, c'est-à-dire d'essayer de voir, de cerner les jeunes et de les remettre ensemble dans une salle et leur donner des formations. Nous avons commencé avec l'appui d'autres personnes ressources qui sont aussi soucieux de l'avenir des jeunes de l'Axe. Nous avons commencé par des formations de montage de projets et aussi heureusement avec une autre structure européenne, allemande, dénommée Bayonnette Intelligente. Nous avons eu la chance de donner à ces jeunes des formations sur les icônes de la non-violence, sur la lutte non-violente, telles que Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela. Donc, de nos jours, ces jeunes ont l'ardent désir de se battre pour les principes de la démocratie en Guinée. Okay. Et dans ce combat, nous sommes avec eux, nous organisons les manifestations ensemble, mais aussi avec les organisateurs des manifestations, si les manifestations dégénèrent, comme vous le savez, et nous enregistrons souvent des blessés, nous enregistrons des morts. Ces blessés, par la grâce de Dieu, notre principal soutien, qui est l'opposition républicaine, surtout le parti UFDG, ils nous aident à les traiter, nous les amenons vers eux et les soins sont pris totalement en charge par des personnes ressources de ce parti. Donc ce qui fait que, sincèrement, les jeunes ont une totale confiance à notre mouvement parce qu'ils savent que nous incarnons la lutte pour les changements, pour le changement en République de Guinée, pour l'enracinement et de la démocratie et pour le bon fonctionnement de l'État, pour la redistribution équitable de nos biens, mais aussi un combat dans lequel tous les Guinéens peuvent vivre égaux, et peuvent aussi vivre en égalité de chance, mais aussi sortir de la pauvreté et demander au gouvernement de respecter le contrat social, mais aussi et de savoir que cette population qui a eu la chance de leur laisser assez couturier ou bien de leur laisser les portefeuilles ministériels peuvent leur rappeler et leur redemander ce qu'ils sont en train de faire, la gestion de nos ressources. Et comme vous le savez, nous payons toujours le lourd tribut, mais nous revenons aussi auprès des jeunes pour leur sensibiliser et leur faire comprendre que le combat est très loin de terminer, parce que tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif final, qui n'est pas celui d'aider un homme ou un individu à arriver au pouvoir, mais celui
de demander aux gouvernants de la République de Guinée de respecter le contrat social qui nous lie. Donc aujourd'hui, et Dieu aidant, nous sommes très bien compris par les jeunes et par rapport à tout ce qui se passe entre nous, il y a une relation de confiance très solide entre les jeunes et nous, ce qui fait que des fois, même si nous faisons des déclarations et leur demandons de rentrer ou de sortir ou de chercher à ce que les manifestations soient non violentes, mmh. ils le fassent. Mais le sérieux du problème que nous avons, c'est au niveau de ceux qui viennent faire le maintien d'ordre. Et aujourd'hui, on nous taxe de violents, oui. mais malheureusement, nous ne sommes pas les violents. Exactement. Mais ils oublient que ceux qui sont en train de venir faire le maintien d'ordre exercent une violence sur nous, jeunes de l'Axe, qui est une violence tellement énorme qui fait que certains de nous sont obligés de s'indigner et de répliquer. Et cela dès que cela est fait, on pense que c'est les jeunes de l'Axe qui sont violents, tout en oubliant que la première force qui est venue pour maintenir l'ordre est la force qui a été exercée avec cruauté, qui des fois ôte des vies humaines, mais aussi rentre dans les concessions familiales pour renverser les repas, mais aussi violenter les parents des jeunes enfants qui sont là et qui ne peuvent plus rien faire si c'est de ne pas sortir, s'indigner en lançant des cailloux aux forces de défense et de sécurité. Une situation qui n'honore pas la République de Guinée, mais d'une part, c'est une façon pour nous jeunes de nous indigner, mais aussi de résister. Car aujourd'hui, vous le savez bien, depuis 2010 jusqu'à nos jours, nous avons enregistré plus de 103 morts et la majorité, nous avons les résultats de l'autopsie, la majorité de ces gens tués ont été atteints par balles réelles. Donc ce qui veut dire que ce sont les gens armés, payés par les impôts de nos parents, de nos familles, qui sont en train de venir tuer nos jeunes frères, tuer nos grands frères et tuer nos amis. Donc on ne peut pas rester bras croisés, car comme vous le savez, Mandela disait que la loi de la répression appartient à l'oppresseur. Quand l'oppresseur dicte d'une façon violente, l'opprimé n'a plus rien à faire si c'est de ne pas aussi exercer une violence pour pouvoir sortir de la violence. Exactement. Et M. Siré, votre réaction par rapport à l'installation des PA sur l'Axe Amdallah et Kabélé? Bon, c'est la situation qui indigne tous les habitants de l'Axe. Mais nous n'avons pas peur. C'est là, au fait, ils ignorent. Avant l'installation de ces PA, depuis 2007, je vous ai dit, nous avons vécu beaucoup de choses en Guinée. Mmh. En 2007, nous avons vécu l'état de siège au temps du général Lansana Conté. Mmh. Et là, c'était un général d'armée. Nous avons fait des manifestations qui n'ont jamais encore été faites depuis 2010, où l'Axe a eu des échauffourées et a eu des situations très envenimeuses. Mais jamais plus grand, jamais on a parlé sincèrement de militarisation de l'Axe. Après ça, on a vu ici le CNDD avec le capitaine Dadis qui des fois sillonnait l'Axe avec deux hélicos dans son cortège. Un hélico par-ci et un hélico par-là et au moment où le cortège était à terre. Mais ça n'a pas effrayé les jeunes de l'Axe. Le jour que son discours a commencé à changer pour dire que et cette tenue-là, c'est quoi? Il peut ôter la tenue et revenir dire qu'il va se présenter. Les jeunes sont sortis. Donc, je pense que les gouvernants actuels, ils ne sont pas du tout réfléchis. Parce que s'ils connaissaient vraiment l'histoire, la sociologie et des manifestations sur l'Axe, ils ne pouvaient pas agir comme cela. Ils sont en train de dire qu'ils luttent contre le grand banditisme et la criminalité. Mais c'est archi faux. Tenez-vous bien. Il y a eu beaucoup d'éminentes personnalités qui ont été assassinées dans Conakry depuis 2010. On n'a jamais parlé de banditisme. Et tenez-vous bien que ces gens n'ont pas été assassinés sur l'Axe, c'est-à-dire de Amdallah à Kabylie. Nous avons eu des enlèvements ici, des grandes personnalités qui contribuent à augmenter les caisses de l'État. Et ceux-ci ont été enlevés ici. Et le récent cas, c'est le cas du vieux qui a été tué, qui a trouvé la mort lors de son arrestation par ses ravisseurs. Et donc,
quand aujourd'hui, après manifestation, parce que tout simplement les politiques ne s'entendent pas, c'est-à-dire la mouvance et l'opposition, et que les jeunes de l'Axe, ou bien la population de l'Axe en majorité, adhèrent aux idéaux de l'opposition républicaine, et qu'on veut militariser l'Axe pour soi-disant intimider les jeunes ou cette population à ne pas manifester, ils se trompent. Et la seule chose qu'on peut leur demander, c'est d'être juste, d'être équitable et de remplir leur part du contrat social qui nous lie. Si cela n'est pas rempli, s'ils veulent, ils ne vont mettre que des camps militaires, même pas des PA, parce que des PA, c'est soit des postes armés ou bien des points d'appui. Et l'Axe connaît déjà la présence de beaucoup de gendarmerie, la présence de beaucoup de CMIS, mais aussi l'État n'est présent sur l'Axe que par la force. Et cela ne nous a pas fait reculer, cela ne nous a pas intimidés. Ce n'est pas pour cette fois-ci qu'ils vont penser ou croire nous intimider. Plutôt, ceux qui sont en train d'être déployés sur le terrain, nous les appelons à être responsables et à faire leur travail conformément aux lois de la République. Parce que s'ils viennent, aujourd'hui ils sont installés, je vous parle de ce jour, mardi, ils sont déjà installés, donc nous leur demandons d'être responsables, de faire leur travail conformément aux lois de la République, parce que le jour qu'ils commenceront à faire des exactions sur la population de l'Axe, les jeunes de l'Axe, et l'Axe se révoltera contre eux, et il n'en est pas question qu'ils puissent, eux, interdire les manifestations. La manifestation est un droit constitutionnel. Et M. Alpha Condé, c'est vraiment pitoyable pour lui, le président de la République, parce que là, nous tous, nous avons compris sincèrement qu'il a une volonté de partir à un troisième mandat. Et cela, nous ne le laisserons pas faire. S'il faudrait qu'on entende pour lui qu'il a assassiné ou qu'il a tué toute la population de l'Axe, on l'entendra. Mais aucun habitant de l'Axe et aucun bon Guinéen ne lui laissera tripatuer la constitution guinéenne. Déjà, nos amis de 2007, ils sont morts pour cette question de démocratie. En 2009, au stade du 28 septembre, nos sœurs et nos mamans ont été violées pour cette question de démocratie. Et le principe sacré de cette démocratie, c'est ces deux mandats que nous avons eus avec le CNT, qui lui-même a été mis en place après de nombreuses manifestations, de nombreuses vies arrachées à l'affection de leurs parents pour juste cette question de mandat. Nous voulons vraiment savoir que dans notre pays, l'alternance est une réalité et l'alternance est une possibilité. Mais aujourd'hui, avec toute cette force que Alpha Condé est en train d'exercer et à un troisième mandat, ça serait vraiment une honte pour lui, parce que il a montré ses muscles, il a montré son intention. Ce n'est plus la peine. Il est venu en même temps au pouvoir que Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui lui a eu le courage et l'audace de mettre sa population à l'aise et de leur dire: écoutez, je ne vais pas aller à un troisième mandat. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? S'il refuse de le faire jusqu'à présent, la Guinée ne compte que 12 millions d'habitants. La Guinée n'est pas un pays où le risque de guerre est trop élevé par rapport à la Côte d'Ivoire. Il peut vraiment le faire, mais s'il refuse de le faire et qu'il arrive à agir de cette manière, interdire les manifestations qui sont un droit octroyé par la Constitution guinéenne, mais aller jusqu'à militariser la zone qui se soulève de plus pour que les valeurs de la démocratie soient réelles et effectives en République de Guinée, c'est de lui dire qu'il a échoué, parce que le jour qu'il parlera de ce mot, l'Axe seulement ne se soulèvera pas, mais toute la Guinée va se soulever. Et quel que soit l'arsenal ou les hommes qu'il mettra sur l'Axe, cela ne fera pas reculer les jeunes de l'Axe, ni la population de l'Axe. Nous allons nous lever un seul pour lui dire halt. Il oublie qu'aujourd'hui, il y a des militants du RPG sur l'Axe, mais même ces militants ne sont pas pour qu'il va à un troisième mandat. Cela ne fait pas l'unanimité son troisième mandat. Donc, il doit comprendre que le peuple de Guinée, qu'il soit militant du RPG, militant de l'UFDG, je parle du citoyen guinéen qui est là, les 95%, si on est en train de lui mentir, les 95% sont pour qu'il y ait l'alternance en République de Guinée. On ne sait pas si ça va être profitable à quel président ou bien à quel politicien, mais ce qui reste clair, nous ne voulons pas que le monde entier entende pour nous, au troisième millénaire, qu'un président a osé
tripartite et notre constitution. Ça, nous avons perdu beaucoup de vies pour cette question et nous en sommes prêts aussi à en perdre plusieurs autres pour que ce principe au moins soit le principe sacré de notre constitution. Ok, à votre avis, est-ce que cela ne va pas restreindre la liberté des citoyens qui habitent dans cette zone? Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit que je demande à ceux qu'ils ont envoyé de faire leur travail conformément aux lois de la République. Car nous, population de l'Axe, cela ne va pas nous intimider. Ceux qui ont l'habitude de sortir veillés vont sortir veillés. Ils vont revenir dans les heures dans lesquelles ils revenaient. Si c'était des noctambules, ils vont continuer à faire le noctambule. Mm-hmm. Ce n'est pas à cause de l'installation des PA que les gens vont rentrer se coucher à 19h. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que hier, lors du Maouloud, ils ont envoyé des délégations dans toutes les mosquées de l'Axe pour leur dire que désormais, il y aura une patrouille de 23h à 7h. Mais les Guinéens connaissent leurs droits et devoirs. Une patrouille, c'est bien, c'est pour les bandits. Nous-mêmes, nous sommes contre les bandits. Nous sommes contre toute leur arme et mépris contre cette population de l'Axe, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, l'État était trop présent sur l'Axe. Quand je vous parle, on ne peut pas dénombrer le nombre de CMIS à avoir des aires de jeu, des terrains de football, mais aussi des jardins ou des bibliothèques, à occuper cette jeunesse à autre chose, mais pas à chercher à l'intimider. Elle est trop intimidée. Il n'y a pas un jeune ou une famille qui n'a pas enterré un proche tombé sous les balles de ce régime. Donc vouloir dire qu'il faut reculer, c'est de trahir ces gens qui sont tombés. C'est ça, ils oublient. Le camp Alpha Yaya est sur l'Axe. Mais cela ne fait pas que l'Axe recule dans le combat démocratique. Et l'Axe ne reculera jamais dans le combat démocratique. Ni pour ce régime, ni pour un autre régime qui viendra pour chercher à bafouer les principes de la démocratie. Donc sincèrement, ils pouvaient beaucoup faire avec cet argent. Ils pouvaient beaucoup faire en cherchant vraiment à gérer l'énergie de ces forces de défense et de sécurité qu'ils mettent sur le terrain. I want for la vida calle, vine mantener.